En première ES, j'ai constaté qu'au début de l'année, on a vu le racisme avec des textes en français, on l'a vu avec des textes en anglais, on l'a vu aussi en histoire, sur les colonisations, en économie, enfin social. Mais en fait, on l'a fait plus ou moins en même temps, mais si les profs s'étaient concertés, on aurait pu faire quelque chose de génial en fait. On prend un livre et on l'étudie à la fois en français, en anglais. Une version en anglais, on l'étudie sur les versions de la société et sur la colonisation. On aurait pu faire, enfin, il y a plein de choses comme ça en fait qui sont dans le programme, dans toutes les matières, on fait la même chose, mais on le fait complètement différemment et que c'est pas cohérent. Si on faisait tout ensemble, ça serait beaucoup plus intéressant. Le fait d'être capable en fait de relier les choses entre elles, de relier les sujets, de relier les matières en général. C'est très bénéfique puisqu'on comprend le monde dans lequel on vit et on peut arriver, quand on a compris ça, à vouloir en fait vouloir apprendre plus et ça rend plus compact notre cerveau, même notre mémoire. Ça permet de faire des liens entre les choses. Et ça, c'est pas du tout exploité à l'heure actuelle, en fait, entre les matières. On fait jamais les liens entre différentes matières, alors qu'ils existent